Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité, je ne prendrai pas un long temps pour le présenter parce qu'on veut prendre toute la période de l'émission pour partager ensemble, alors sous forme de discussion et de partage. Mais j'ai le plaisir de vous présenter une personne bien connue, du moins à l'interne, chez nous à Crois-tu, et plusieurs d'entre vous doivent le connaître aussi, M. Marcel Perron. Marcel, bienvenue chez toi à l'émission Crois-tu? Bonjour, Jean. Pour moi, c'est vraiment une belle invitation de venir ce matin, que je devrais dire, parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, mon cher Régent, et c'est extraordinaire. Et Régent, de connaître Dieu, c'est ce qui est le plus important, de savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et ceux qui te connaissent savent très bien comment c'est important pour toi de présenter cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que tu as connue dès ton enfance. Oui, mais c'est un témoignage parce qu'on est né dans une religion, tu le sais. Et, mais on avait vraiment, c'est hors de notre religion, il n'y avait pas de salut, d'accord? Ouais. Et on a tout appris, je savais, mon cher Jean, que j'étais pécheur depuis que j'étais jeune, parce que c'était vraiment, la religion était vraiment ancrée dans la population, que je devrais dire. C'était vraiment l'autorité. C'est bon ça, Marcel. Mais toi, tu étais où, dans quelle population au Québec? Oh, moi, je ne sais pas si tu connais la ville de Arthur Winning Davis. Non, je ne connais pas, désolé. Arthur Winning Davis, c'était Arvido. Ah, là, je connais mieux. Ben oui, c'était le président de la ville industrielle qui avait Arvido. Fait qu'on est dans ce contexte-là. Et puis, je pense qu'il est arrivé justement en 1928, comme ça, là, et puis l'Alcan s'est fait. Mais c'est ça. Mais il y a tout un contexte. Moi, quand je regarde mon âge un petit peu, là, d'accord, ce qui va dire un petit peu ce qu'il y en est, je suis arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Ça te permet de voir un peu l'âge. Ouais, on peut dire des années 40. Les années 40, hein? Mais moi, on ne réalise pas, mais on avait un premier ministre, Maurice Duplessis. Tu l'as-tu bien connu? Non, je l'ai entendu parler souvent, mais pas bien connu. Mais je dois en parler parce que c'était appelé la grande noirceur. C'était un âge sombre. C'était, moi, j'appelle ça un obscurantiste du Moyen Âge. On ne savait pas trop où il allait. Et puis, moi, t'as dit que ce que j'ai connu, moi, à mon âge, d'accord? Il y avait trois caractéristiques qui étaient très bien établies. Okay? Je te le dis. C'était l'autorité, puis l'autorité. Ça dit quelque chose? Oui. Mais je vais t'expliquer ça un petit peu, mon cher Jean. Il y avait l'autorité qu'on appelle politique, qui était organisée avec l'autorité ecclésiastique. Puis il y avait une autorité parentale, là. C'est, main dans la main. Main dans la main, tout était là. Et puis nous, tu sais, quand tu y penses comme il faut, les jeunes, nous autres, n'avaient pas le droit de dire grand-chose. Je ne sais pas si tu as passé par là. Tout ce qu'il fallait dire, c'est oui. Il n'y avait pas de nom qu'il fallait se dire. On a vécu dans ça, mais c'était normal. Tu sais, quand tu allais à n'importe quelle place. Tu t'en allais à l'école, tu t'en allais partout. Tout était la structure. C'était on dit quoi faire et tu dis pas un mot. Moi, c'est avec ça que j'ai vécu. Donc, c'est juste pour mettre la table, parce que c'est un peu ça qu'on a fait avec la religion aussi. Parce qu'on avait, tu sais, mon cher Jean, on n'avait pas le droit d'avoir une Bible chez nous. Sinon, on était excommuniés. On ne pouvait pas comprendre. Il y avait juste les prêtres qui pouvaient comprendre. D'accord? Fait que, puis ils nous avaient dit, quand un prêtre parle, c'est comme si Dieu parle. Fait que j'ai dit, on n'a rien à dire. D'accord? Bon. Si Dieu parle. Mais on était soumis. On avait le respect dans ce temps-là. Quand une personne un peu plus âgée et qui parlait, il n'y avait rien à dire. Fait que c'est un peu... Moi, j'étais un peu dans ce style-là. Puis, c'est ça. Fait que... Mais ça, c'est dans le contexte dans lequel tu as grandi, mais si tu me parlais un peu, si tu nous parlais un peu de ta famille... Oui, ben, on avait une petite famille de 11 enfants, c'est pour ça. Puis moi, j'étais le quatrième, d'accord? Puis dans le fond,
comme je disais tantôt, on a vraiment vécu une enfance là, des valeurs religieuses. On était, ayons ici tel chapelet, oui, soit. Puis on avait 5 ans, 6 ans, il fallait rentrer là, de 7 ans moins quart à 8 ans. Fait que tout était centré. Puis la première année où on allait à l'école, on a appris, et nous, on avait un temps là, pour nous montrer qu'on était pécheurs, d'accord? Puis il fallait aller à la confesse, là, hein? On était pécheurs, il y avait un enfer, puis là, il ne fallait pas aller en enfer. Il fallait gagner notre ciel, parce que si on faisait des péchés, on perdrait. Fait que c'était tout ça que j'ai vécu. Puis, pour moi, c'était vrai. Tu sais, bon, c'est l'autorité qui le disait. Puis, à un moment donné, à travers tout ça, pour moi, c'était venu naturel. D'accord? Fait que j'ai été à la messe jusqu'à temps. Puis, même quand j'ai été étudié, on va en parler tantôt, là, c'était ça. Je croyais en Dieu. D'accord? Puis, je croyais que Jésus était venu sur la croix, qu'il était venu payer nos péchés. Mais le pire là-dedans, avec ce que je sais aujourd'hui, je ne m'en allais pas dans la bonne direction du tout. Je m'en allais... On va te dire une chose. Je suis content que le Seigneur a été patient avec moi. Et puis là, j'étais vraiment dans... pour moi, dans la bonne direction. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un, c'est ça que je vais vous parler tantôt. Ça, c'est bien. On va passer à une courte pause, mon cher Marcel. Donc, en résumé, la religion était présente partout, en politique, était présente dans le foyer, à l'école. Tu as grandi avec la religion. Exact. À la pause, on aimerait savoir comment est-ce que Dieu t'a montré que tu pensais être dans la bonne direction alors que tu étais dans la mauvaise direction. Marcel, donc, la religion, elle est présente partout, partout. Et dans le foyer, là, qu'est-ce que vous viviez là, avec les parents, les frères et sœurs? Oui, on a été choyés. Parce que au fond, mon père, c'était un travaillant, respectueux. Il était compétitif, là. Et il nous a montré comment combattre, là. Puis sportif, il fallait qu'il nous batte s'il faisait. Puis il était vraiment sportif. Champion de quai, champion ici. Puis ma mère, elle était vraiment spéciale. C'est une ancienne sœur qui avait pas rentré chez elle. Elle était supposée de prononcer ses vœux. C'est mon père qui l'a mariée. Donc, c'était une personne qui était toujours souriante, très ricaneuse, puis elle aimait rire. Puis, dans le cas, c'était une belle ambiance que je pourrais considérer. Tu peux retracer ça chez toi, Marcel, depuis les nombre d'années que je te côtoie, là, les deux. Hein? Il y avait peut-être des frères qui nous donnaient un peu de hein, une tête sa frère de suite, là, c'est bon. Fait que, disons qu'un petit peu, de temps en temps, je connais un peu, ça c'est normal, je pense. Mais moi, le caractère que j'avais, imagine-toi que je bégayais d'une façon épouvantable, d'accord? Et puis, dans un sens, t'as une timidité qui est là, t'es gêné de ça. Fait que j'ai vécu avec ça. Fait que ce que j'avais fait, c'est que je réalisais que moi, je parlais, mieux c'était, mais j'écoutais, d'accord? Et puis, même qu'on me disait, il n'ira pas bien loin celui-là, tu sais, bon, on avait les affaires. Et il fallait que, au lieu de me défendre, je riais des autres, d'accord? Fait que ça me passait au-dessus de la couverture, quoi qu'ils faisaient. Mais j'avais des très bons amis, c'est avec les amis que j'ai pu aller de l'avant. Mais j'étais très, très, très sportif, et c'est ça qui m'a vraiment sorti de hockey, n'importe quel sport. Et puis, dans un sens, c'est ça qui m'a vraiment remis au point. Et juste pour aller plus vite, parce que je sais que le temps passe, à un moment donné, j'ai fait ma 12e scientifique, j'ai été étudié en radiologie médicale à Chicoutimi. J'ai travaillé à l'hôpital d'Alma pendant 11 ans, responsable du département de radiologie à Alma au niveau technique. Donc, tout allait bien. Et aller jusqu'à, je pourrais dire, j'avais 28-29 ans à peu près.
Moi, j'étais pas fatigué, d'accord? Puis là, je commençais à être plus fatigué, je commençais à voir, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais j'avais eu un gros accident à l'âge de 11 ans. Et j'étais tombé dans les roches. Une chose m'avait poigné, tombé dans les roches. Et puis, je m'étais relevé de là, comme si rien n'était. Et parce que j'avais pris le bessic d'un autre, de mon oncle, je ne voulais pas avoir une rince avec ça, là. J'ai compris. Fait que tout ce que je pensais, c'était le bessic. Mais tout le monde restait surpris que j'aille monter des roches comme ça. J'avais 11 ans à peu près. Mais ce que ça a causé une déviation que j'ai su par après, une bonne déviation au niveau cervical. Et puis, dans ce temps-là, ben, c'était... Puis j'avais connu, juste en face là, de chez nous, ce que je restais, il y avait un chiro. Fait que le chiro qui était en avant, nous autres, on avait la science infuse. Hein. Moi, je l'appelais le couac en avant. Mais j'étais chum avec, parce que je jouais du hockey avec, puis on avait un très bon rapport avec moi. Mais là, à partir de, justement, de 30 ans, c'est autant que jamais ce que je faisais. Là, je ne trouvais plus rien là-dedans. Puis là, tout ce que je voulais, c'est je n'étais plus là. Jusqu'au jour que mon épouse avait des migraines chroniques. Et puis, puis j'avais été parfois avec ça. J'avais eu un accident aussi à l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai dit, viens me voir, tu vas voir, ce sera pas long. J'ai dit, tu vas pas voir un quoi que là. J'ai dit, ben, dis, garde, je vais rien par je viens. 3 semaines, 1 mois après, fini. J'ai dit, waouh! Et de fil en aiguille pour aller un peu plus vite, ben, il m'a convaincu d'aller étudier en chiropratique. Fait que je suis parti à l'âge de 34 ans. Tout ce que je savais en anglais, c'était Yespino, puis je m'en vais étudier la médecine, mon vieux, avec du Yespino. Mais le Seigneur était bon quand tu regardes tout ça. Fait que j'ai pu arriver ici en 1978, d'accord? Je suis installé à Québec. Mais juste avant de partir, 6 mois... En tant que chiro, là, tu t'es installé à Québec en tant que chiro avec ta famille. Exact. Mais juste avant de partir, on a rencontré une madame qui s'appelait Madame Guertin. Puis elle venait de connaître le Seigneur, ça faisait à peu près 6 mois. Puis elle rencontre, je ne sais pas si tu connais Bertrand Veilleux. Oui. Mais Bertrand Veilleux, c'est un chirotire parce que lui, il venait de défroquer comme prêtre. D'accord? Puis moi, ça a mis mon ami parce que je parlais pas anglais. Mais je suis collé avec Bertrand pour copier toutes les notes qu'il faisait. Moi, il aurait été en allemand, ça aurait été pareil pour moi, là. Ça, c'est pendant tes études aux États-Unis, là, pour devenir chiro. On était ensemble, on était amis. Puis elle nous rencontre les deux. Puis alors, elle commence à dire à Bertrand, parler du Seigneur et tout. Puis elle dit, moi, je sais ce que je vais. Je vais au ciel pour l'éternité. Il dit, wow, 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 là, tu sais quoi tu dis là, là? Il dit, moi, j'ai été étudié 10 ans en France, j'ai fait ça, j'ai fait ci, puis moi, je suis pas sûr d'aller au ciel, puis toi, tu y vas. Et là, ça l'a dérangé. Puis lui, après ça, ben, on a fait nos boards, on a tout fait ensemble. Mais moi, j'ai été le trouver 3 mois après chez eux, on était amis. Donc, on s'est installé à Québec, lui était à Sherbrooke, puis à Rock Forest, et c'est là qu'il est arrivé avec ça. Moi, j'arrive 3 mois après, il commence à parler du Seigneur. Il n'arrête pas, je suis là la fin de semaine, il me parle du Seigneur qui était monté sur la couette, tout ça. J'ai dit, je sais tout ça, mon frère, cher Bertrand. Oui, mais il dit, moi, je suis sûr d'aller au ciel. Quand il dit, pour moi, tu es tombé comme avec l'autre qui était avec là. J'ai dit, là, mais il me parlait. Moi, je suis sorti de là. J'ai dit, il y a quelque chose, ce gars-là. Il dit, ouais, il aurait dû rester chez Brain. Il me parle rien de ça, là. Il n'y avait pas d'affaire étudiant en chiropratique, il était à la bonne place, là. Mais là, j'y retourne après. Il continue. Fait qu'il me donne une Bible, il dit, t'as une minute, toi. Et là, je cherchais des affaires pour le convaincre, moi, là. Et puis là, j'ai pris la Bible, puis j'ai lu ça, là, puis une après l'autre. Puis je montais là pour essayer de dire quelque chose. Puis j'avais vu des livres, la vie après la mort, en tout cas, là, tu sais, je voulais arriver avec toute cette bagarre. Fait que là, il me disait, t'en viens bien, Marcel. Comment je m'en viens bien? Lui, là, moi, je l'ai pas. Fait que là, j'arrivais tout le temps là-dessus. Jusqu'au jour, après, on s'est vu le... Pendant 4 ans, ça, j'ai lu la parole de Dieu, là, je voulais le prendre. Là. Il y a un dénommé Michel Habib qui arrive chez nous. Je n'ai jamais vu cette personne-là, mais il était pasteur à cette île. Puis quand il était pasteur à cette île, il est venu étudier ici à Québec, il était à Chauveau. Et puis en arrivant, il se fait une blessure, puis capable de bouger.
Mais il était 15 jours pour étudier ici. Et c'est mon frère qui m'appelle. Tu voudrais-tu le voir? Alors, je dis, moi, pas de problème. Est-ce qu'il vient? Mais il dit, ouais, t'es obligé de venir tard parce que je finis vers 10h30, 11h. Il dit, il n'y a pas de problème, il va être là. Fait que pendant 15 jours, notre cher ami Michel Abib, il m'a parlé du Seigneur. Puis il terminait, puis là, il m'amène vraiment comme fou. Marcel, oublie pas une chose, le péché existe, je sais qu'il existe. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose à voir. Mais il dit, le péché doit être puni, mon cher Marcel. Ben, je sais, Jésus a payé pour. Il dit, oui, mais il dit, c'est qui va subir le châtiment? Ben, il dit, c'est lui, qui était sur la croix, puis il a pris tous les péchés, puis, tu sais. Ben, il m'arrive encore, tu sais, oui, mais il dit, nous devons recevoir le Christ. Comment? Je dis, je crois ça, là, moi, là, tout ça. Mais je ne voyais pas ce qu'il voulait aller, là, d'accord? Fait que, à un moment donné, ben, hey, c'est à tous les jours, là, qu'il s'en venait. Il me passait la parole de Dieu, puis on finissait à 1h, 2h du matin. On finissait là. Puis, jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais mon cher Marcel, on va prendre une courte pause. On va réfléchir à tout ce que tu es en train de nous dire, là, que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais après la pause, on va entendre la suite de ton témoignage. Marcel, il y a un monsieur Michel Abib qui vient de la Côte-Nord, qui fait ses études à Québec et il se blesse ou il a besoin de soins en chiro. Et c'est toi, l'heureux élu, qui va le soigner pendant 15 jours. Et lui, il te soigne autrement, il t'apporte l'Évangile, la bonne nouvelle. Pendant 15 jours, il te place devant la croix et il te parle du Seigneur Jésus, celui qui a porté tes péchés. Oui, mais retournez à Charlantin, s'il vous plaît. Prétentieux, oui. Parce que il disait que lui était sûr d'aller au ciel. Je lui dis, voyons, il n'y a personne qui est sûr d'aller au ciel. C'est le Seigneur qui décide de faire l'homme. D'accord? Je lui dis, bon, ben, je lui dis, écoute, là, moi, je ne sais pas, là. Il nous a dit, ben, c'est pas. J'ai dit, regarde, on en fait assez. On va essayer de gagner Dieu. D'accord? On s'en met là-dessus. Et là, il m'arrive avec un verset. Il dit, Marcel, je t'arrête tout de suite, là. Il dit, on va aller tout de suite dans Éphésiens 2, 8 et 9. Hein? Il dit, c'est par grâce qu'on est sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, je regarde ça. Et là, je commence. Et là, ça m'a saisi de voir ce qu'il disait là. Puis il dit, t'essaies de gagner ton ciel, Marcel. Peux-tu gagner ton ciel? Et là, ça a été la question clé, là. Et puis, là, j'ai dit, oh, là, il manquait un point. Il me pose une question. Quand est-ce que tu t'es vu perdu, Marcel? Perdu, il a perdu quoi? Ben, il dit, toi, t'es-tu seul allé au ciel? Ben, avec ce qu'ils m'ont dit, oui. Je crois que Jésus est monté sur quoi? Je crois que tu fais ça. Je crois tout ça, je crois tout ça. Mais quand est-ce que tu l'as accepté personnellement, monsieur? Quand est-ce que tu as vu Christ vraiment payer la facture pour toi? Et là, là, j'étais... Puis là, il m'amène dans 1 Jean 5, 12, 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais je suis là, moi, là puis j'écoute tout ça. Mais moi, j'avais ça, là. Mais moi, j'étais un gars de feeling, OK? Fait que là, j'attendais que mes deux pieds lèvent, puis mes cheveux se défrisent, là. C'est puis qu'est-ce qui se passe? Mais rien qui se passe. Puis là, il me dit, regarde, Marcel, je vais te poser quelques questions. Puis, vois-tu, on a une émission qui s'appelle « Crois-tu? » Il dit, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ben, il dit, oui, je te le dis depuis tantôt. Il dit, crois-tu qu'il est mort pour la croix pour toi? Pour tes péchés? Là, il venait de saisir quelque chose. Oui, ben, il est mort pour tout le monde. Il dit, je te repose la question. Est-ce qu'il est mort pour toi? Oh, peut-être. Et là, il continue. Crois-tu qu'il est capable de te sauver? Ben, il dit, c'est Dieu, il est capable de me sauver certains. Et il dit, crois-tu qu'il viendrait dans ton cœur, qu'il te sauvera tout de suite si tu lui demandes? Ben, là, j'étais. Il dit, on va la relire. Il dit, t'es sûr? Ben, il dit,
sens rien, là, au théâtre, là. Ah, OK, là, il saisit. Il dit, on va leur lire le verset. OK, soyez que le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sentiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et je pourrais te dire, je prends ça. Puis j'ai dit, Michel, tu n'as pas la même Bible que moi. Il dit, à cause, c'est quoi, j'ai marqué quoi? Et là, il dit, afin que vous sachiez. Là, je venais de comprendre que la parole de Dieu, c'est ça qui comptait. C'est, moi, j'ai toujours cru que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'était pas un homme qui l'avait écrit. Puis elle est vivante à part de ça. Tu sais, je croyais à tout ça, là. Mais il manquait un élément. Et l'élément qui était mort pour moi, même si j'ai arrêté tout seul, qui m'a tellement aimé, car Dieu a tant aimé Marcel qui m'a donné son fils unique, afin que Marcel croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, c'est venu, là. Puis tu sais tout ce qui s'est arrivé. On a eu quasiment, moi, je pars à vivre. Michel pas à vivre. Elle se faisait 15 jours qu'elle était dans moi. Puis là, je venais de comprendre. Puis là, je viens après ça tout triste, tu sais, je dis, il y a le péché que j'ai fait là. Mais là, en même temps, tu sais, moi, je venais de comprendre, là. Et Michel, il était le vendredi soir, il partait, lui, là, le smat, là, il me partait, puis il me laissait tout seul, là. Et bon. Fait que là, moi, il part. Fait que moi, j'ai demandé, là, j'arrive chez nous en haut. J'étais troublé. Puis le samedi soir, ça s'est arrivé le vendredi, le samedi soir, pas capable de m'empêcher. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me montres mon cœur. Je veux que tu me montres mon cœur, je veux être sûr là, que les choses sont là. J'aurais jamais dû lui demander ça. Il m'a levé à 1h30, là, puis je te le dis, là. Là, il m'a défilé, là, tout ce que je pouvais avoir, là, tu sais, de la manipulation. On veut toujours être aimé, là, tu sais. Puis dans le fond, on vit quasiment pour nous autres, parce que si le monde nous aime, on n'est qu'avec, hein. On a le regard des autres, on est là-dessus. Puis on a fait des petites affaires aussi, hein. Surtout que Réal est là, il sait un petit peu. Puis, mais en même temps... Il a été témoin de certaines choses, lui. Mais ça, au bout de 2h30, 3h, il a fallu que je dise, Seigneur, arrête. J'en ai assez vu. Et là, je me suis tellement perdu. Là, j'ai tombé à genoux. J'ai crié à lui, là, je te le dis, là. J'avais des pleurs dans mes yeux. Après ça, j'ai jamais été le même après ça. Je savais, le lendemain matin, dimanche, là, j'étais... je flottais, je sais pas ce qui se passait, mais tout seul, moi, là, d'accord? Puis là, je savais que c'était passé quelque chose, puis j'étais léger. Mais là, je voyais le Christ sur la croix pour moi. Mais tu sais-tu ce qui s'est passé? Le lundi matin, moi, j'avais tout dans une pratique, je commençais le matin à 7h, je finissais à 11h. Tout le monde qui rentrait, j'avais des poignets, j'ai trouvé quelque chose. Moi, je pensais que le monde allait être heureux de ça. Hey, au moyen du diable, il est sauté. Pierrot était devenu un évangéliste, là, tous les jours. On avait pu parler, tu comprends-tu? Oui. Mes deux secrétaires ils travaillaient pour moi, là. Hey, ils ont dit, Marcel, t'as-tu pris quelque chose hier soir, là, tu sais? J'ai dit, hey, moi, je vais mettre plus de drogue en passant, mais j'ai une bonne drogue, par contre. Bon. Et, mais c'était vraiment extraordinaire. Et de savoir qu'on est sûr, là, j'étais sûr que si je m'en soir, je m'en allais directement avec le Seigneur Jésus-Christ, le soir même. Puis là, j'ai dit, wow, je me suis couché, là, comme un, hey, je me suis couché à 4h30, 5h. Ma femme, elle se demandait ce qui se passait. Elle aussi, elle a dit, hey, y en a-tu fumé du bon? Parce qu'elle ne voulait plus sentir Michel. Parce que Michel, là, il montait à 2h du matin. Ouais. C'est pour ça, le vendredi soir, quand j'ai vraiment accepté le Seigneur, il monte avec moi en haut. Parce que moi, j'étais dans ma maison, on monte en haut. Et Michel arrive devant tout le monde. J'avais plein de monde dans la maison. Les vendredis soirs, c'est à peu près ça. Puis il dit, Marcel, qu'est-ce qui s'est passé tantôt? J'ai témoigné, là, la première heure. J'ai témoigné. Ça n'a pas cessé. Jusqu'à aujourd'hui, tu témoignes encore. Marcel, il faut passer une pause. Mais alors, je te garde quelques minutes où tu vas lancer une invitation à la population puis aux téléspectateurs de Crois-tu? Amen. Marcel, en résumé, tu as grandi dans la religion
les pratiques, mais avec une connaissance du message de l'Évangile, alors le péché, Dieu, la personne de Jésus-Christ, mais tout cela est devenu réel, vivant dans ta vie lorsque Michel Habib t'a présenté cette offre que Dieu fait à tous et chacun, hein, d'accepter le Christ comme sauveur et Seigneur. Et là, tu as eu le pardon, l'assurance de la vie éternelle. Et quel serait le message que tu laisserais à nos téléspectateurs? Régent, tu as très bien dit ça. On nous avait présenté une religion et non Dieu lui-même. Dieu est une personne. Une personne qui nous entend, qui parle avec nous. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Puis, il nous a fait... Dieu, c'est un Dieu qui n'oblige personne. Donc, il nous a mis ça libre. Dieu dit dans sa parole que nous sommes et tous pécheurs séparés de lui et que c'est impossible pour nous d'en sortir nous-mêmes. Donc, devant Dieu, nous méritons tous l'enfer. On a tous péché, c'est ce que la Bible dit. Puis le Seigneur Jésus est mort à notre place. Il a pris notre condamnation, lui qui était Dieu. Il a pris ma place. Il a souffert tout ça, afin que je puisse être libéré. Dieu nous a tellement aimé qu'il veut nous offrir la paix, la joie, la vie éternelle en Jésus-Christ seul. La Bible, nous avons en lui toutes choses. Et c'est ce que je vous souhaite pour l'éternité. C'est l'éternité. N'oublions jamais que Dieu est le créateur de celle de la terre. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on essaie de gagner notre ciel par nous, c'est ce que je pensais. C'est ce que je vous ai raconté tout le temps. Tu as perdu ton péché. Tu ne peux pas payer pour ton péché. Il n'y a pas un péché qui est rendu au ciel. Donc, le seul moyen, c'est Jésus-Christ seul. Dieu qui est venu sur cette terre, qui est venu prendre la place, la condamnation. C'est ce que je vous souhaite pour l'éternité. Pensez-y. L'éternité, c'est là. On invite nos gens à écrire à crois-tu.ca ou à nous appeler. Le numéro de téléphone est toujours là à chaque émission, dans le bas de l'écran. Des études bibliques les mardis. Avec les gens, ils peuvent se joindre à nous. 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick. Et puis le samedi à 9h30, il y a quoi? Des témoignages comme tu viens de nous donner, mais en direct sur notre Zoom à crois-tu.ca. Il y a de la littérature qu'on offre. Ce fameux passeport pour le ciel, maintenant, il est en 3 langues. On peut le demander en espagnol, en anglais et en français. Puis des centaines, hein? Des milliers, ceux qui veulent en distribuer. Tout ça, c'est offert à crois-tu.ca. Marcel, merci de ta participation à l'émission, de ta participation au ministère. Et merci à chacun d'entre vous, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu.